Oh non, l'arc c'est horrible. Vive les bons guns, là, petit fusil à pompe. Tu te mets au cac. Le mec ensuite il s'éparpille. Eh, pas si mal le canapé. C'est un canapé incurvé. Putain, elle est en belle la baraque. Oh, cette télé qui pèse 70 kilos. Il y a plutôt 100 kilos là. Télé à l'ancienne ça. Une bonne télé fin 90-2000 ça. Mais gens qui ont du pognon ça. Tiens, quoi par là? Ah, les chiottes. S'il te plaît quoi, les chiottes c'est un appart parisien. Et je blague à peine. 30, vitesse de soin, temps de confection, rayon du moins d'écoute. C'est bon. Alistair. Tu veux pas mettre 500 balles dans une belle télé plutôt que mettre 20 000 balles dans une bagnole, Alistair? Si t'as 20 000 balles dans une voiture, tu peux peut-être mettre 500 balles dans une télé correcte. Hein. Tu veux de l'aide? Merde, le feu! C'est bon. Ah, mais c'est pas une catholique alors, Alistair. Ah, je veux que c'est pas une catholique. Regarder des films ce soir. Il est où leur laboratoire? À l'extérieur, à l'université de l'Est du Colorado. Allez les bigorns. Il va changer la vie, Joël, il va arrêter d'être con. Ellie, descends de ton cheval. Rends-le à Tommy. Je vais garder celui-là si ça te dérange pas. Ah. Allez, m'oblige pas à répéter. Qu'est-ce que tu fais? Ta femme me fait un peu peur. J'ai pas envie d'avoir affaire à elle. Désolé d'avoir volé le cheval. Écoute, reviens en ville, qu'on en discute au moins. Tu me connais, je suis têtu. L'université de l'Est du Colorado. Et où je le trouve, ce labo? Dans le bâtiment des sciences. On dirait un miroir géant, tu peux pas le louper. Prends bien soin de ta femme. Il y a une place pour toi ici, tu sais. T'es prête? Je suis prête. Adios, petit frère. Allez. Alors on donne le ballon à l'équipe adverse? C'est ça, c'est un turnover. Et si on atteint les 10 yards, retour au premier essai? Première tentative, c'est ça. Oh, tu parles d'une prise de tête. Il suffit d'un ou deux matchs pour bien comprendre les règles. Reste ici, Durillon. Puis franchement, c'est pas un nom, quoi, Durillon. C'est toi qui as oublié de demander son nom à Tommy. J'ai pas vraiment eu de père, tu vois, et les bords. Ça reste un grand mystère, je me demande un peu ce que c'est d'avoir un père. Je sais que j'en aurais bien eu besoin, tu vois, à certains moments de ma vie. Et je me dis qu'un même un peu le côté un peu bourru des années, tu sais, des gens nés dans les années 60, 70 et tout. Bon, on va sur la place centrale. On devrait avoir un bon aperçu du campus. Non, je suis sincère, c'est tout. Et ouais, je me dis que tu vois, ça peut être un soutien, quoi. Ça peut être bien, quand même.
Ah, je vous préviens, hein, ça va pas être la joie. Ça va pas être joie et bonheur ici. Hein. Ça va pas être joie et bonheur avec moi. Je sais plus où je voulais aller. Alors. Hélas, trop de gens connaissent, j'ai envie de vous dire, vous voyez, quand je vois le chat, trop de gens connaissent, et c'est dommage. Peu importe la raison. C'est trop de gens connaissent ça, et c'est tellement dommage. La société a bousillé les hommes, continue de l'être. Ils sont bousillés eux-mêmes aussi, une catastrophe. Tes émotions, pas montrer tes sentiments, devoir tellement de pression de merde. Ah bah tiens, tu voulais un lance-flamme, Nathan. Ah voilà. Bon, cet emplacement est bien. Alors. Ah, j'ai pas le truc cool là. Lui, je l'aime bien, recharge... Attendez. Non, le Diablo, il est cool, hein. Ah, mais c'est niveau 4, putain, faut 4 outils. J'ai dû en rater. Ah, fais chier, 4 outils, putain, j'en ai 300 en plus. Et par là, on peut traverser les blindages. Putain, ce serait cool, ça. J'ai dû rater un outil. J'ai forcément dû rater un outil, pourtant j'essaie d'explorer un peu, mais bon. Alors, on va déjà prendre ça pour le rechargement. Ah, et 5 après. Oh, délire. 16 rechargements, perforation d'armure, ça va être cool aussi. Shotgun, j'aime beaucoup moi. Ah, la portée, c'est ça que je voulais prendre. Ce qui manquait quand même cruellement de portée, le bordel, le recul, je m'en fous. Capacité de chargeur, je m'en fous. 16 rechargements, ouais. L'étui à armes, attends. Attends, je vais mettre, faire en sorte d'avoir quand même deux guns. Voilà. Non, ça j'utilise. Peu, en vrai, je m'en bats les couilles. Là, il n'y a pas de capacité de chargeur. Si ce que le shorty, au final, il est quand même pas mal. Hein. Recul, propagation. Ouais, tu fasses un plus de dégâts encore. Vitesse de rechargement, tiens. Cadence de tir, je m'en fous. Moi, je suis en mode balle par balle. Vas-y, je prends chargement aussi. Ouais. Hop là. Ouais, c'est pas mal. Jolie session upgrade, là. Hein. Jolie session upgrade. Je sais qu'il me manque un outil, par contre, je suis un peu triste. Parce que le Diablo, il est cool, hein. Très très bonne arme. Oh, une machette. Attends, j'aime bien les machettes. Je vais la booster, hein. J'aime bien les machettes. On one shot des trucs et tout, c'est trop bien. Avec la machette boostée, je peux one shot 5 mecs. 5 claqueurs et tout, c'est une putain d'arme en vrai la machette. Hein. Parce qu'elle met pas des coups, elle transperce. C'est trop bien. Alors que c'était des adultes? Ouais, étudier, faire la fête, découvrir qui ils étaient, trouver ce qu'ils voulaient faire de leur vie. Ce qu'ils voulaient faire de leur vie. T'es allé, Balthazar? Comment vas-tu? C'était un poste de surveillance. C'est bon signe. J'aurais du sniper, ça dit quoi de beau? Des gens sont pas censés arriver. Ok. Wow, y'a du monde ici, écoute, attendez. Joyeux Louis. Très d'équipe de recours, j'ai gueulé parce que je suis en CEP, pauvre con. Ah, biologiste, tiens, si tu fais un connard, attention. Ok. Bon, alors je suppose que le laboratoire n'est plus là. Il a dû se passer une couille.
Parce que si, visiblement, il y a encore en août, il doit encore y avoir des trucs. Sachant que là, on est à l'automne, je crois. Non, faut monter, attendez, faut continuer de monter. On est à l'automne, donc c'est des trucs en quelques mois. Non, merde, je suis bloqué. Putain, je sais pas où aller. J'ai rien à craft là pour récupérer. Si je peux faire un soin, tiens. Parfait. Est-ce que je peux mettre ça à la place? Yes. Je sais pas où je dois aller. Parce que je tourne un peu en rond là. Ça, si ça se remarque pas au cas où, je suis un peu perdu. Hein, mais ça m'arrive souvent. Rassurez-vous, ça m'arrive très souvent. On va dire que j'ai pas les meilleures capacités d'orientation possibles. C'est pas ma force quoi. Bon, par là il y a du barbelé, c'est pas ouf. Elle est là. Ouais, il y a le barbelé de partout. Il va falloir contourner le barbelé, je suppute. Tous ensemble. Ouais. Parce que je veux aller sur la gauche. Et que j'ai rien qui m'y amène. Ok, donc l'idée sera peut-être de passer un étage pour ensuite aller. Donc, tac. Voilà. Un cheval, utilise-le. C'est avec le poney, ouais. Je veux bien, hein, si vous me dites que c'est avec le poney pour sauter, je le fais, mais... Parce que le but du jeu, c'est d'aller là-bas. D'ailleurs, on va peut-être pouvoir passer là au-dessus, il doit y avoir peut-être un passage là, mais je sais pas comment on y accède. Ah, c'est avec le poney, ouais. Ok, ok, bon bah... J'en ai pas trouvé, merci. Moi, j'étais en train de chercher une passerelle, tu vois, donc bon. Attends, avec le poney, on va sauter les barbelés avec la gamine. Ah oui, d'accord, j'aurais jamais trop... Ça aurait même pas traversé l'esprit, tu vois. Je te le dis clairement, ça ne m'aurait même pas traversé l'esprit, en fait. C'est... voilà. Easy, ouais. Après, c'est que la gamine est pas bien lourde, hein. Elle a quoi? Elle a 14 ans. Elle est toute fine, elle doit bouffer une fois par jour à tout péter, elle doit peser 50 kg, même 40 kg. C'est vrai que bon, c'est ma jambe droite quoi le bordel. Donc, bon. C'est vrai, je surestime. Ouais, 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 non mais t'avais raison, hein, t'as bien fait. Ça me dérange pas trop hein, ce genre de titip ça, je suis perdu. Je parle des lucioles. J'imagine qu'il faut du monde pour une telle opération. Tu crois qu'il y aura des gens de mon âge? J'en suis pas sûr. Et elle est en train de se balader dans la baraque. Ah, c'est fermé là. Ah non. Il y a des claqueurs. Reste avec le cheval. T'es sûr? Oui, je veux pas qu'il s'échappe. Je reviens tout de suite. En vrai, ça pèse lourd, hein, Iben. Peut-être pas 40 kilos, mais... Non, là, les deux jambes, pour le coup, peut-être. On doit pas être... On en est pas. Je suis quand même 95, hein, donc bon. Quelqu'un a réparé ce truc, on dirait. Je suis grand, en plus. Y a pas une gonzesse qui crie au secours, là? J'ai bien 20 kilos dans le cul, je pense. Oh, putain. Alors, j'ai envie de te dire, cela ne nous regarde pas. Hein, si tu mets... voilà, hein, bon. Hein, voilà, voilà, voilà. Cela, écoute, bravo à Jean-Michel, hein. Ça l'a été un peu handicapant, je pense, mais bravo à lui. Non mais voilà, oh putain, zombie. Voilà, voilà. Putain, celle-là... Non mais t'inquiète pas, après Natamania hier qui disait qu'elle arrêtait pas de vouloir s'embrocher sur la lance du mec. Tu sais, j'ai bien compris, hein, voilà. Vous avez une vision un peu différente. elle arrêtait pas de s'embrocher sur la lance d'Orstein. Oh.
Bon, bah, comme prévu, la machette, elle a bien servi, hein. Ça n'a pas été la folie côté discrétion, mais la machette a bien servi, hein. Elle est actuellement Keblo, Nata, sur... Pas sûr que ce soit une grande idée, ça, par contre, d'activer ça. Attendez, je vais faire une bombe à clous. On va créer une bombe à clous pour prévenir l'arrivée d'un... Pour prévenir, vous voyez, l'arrivée d'un... Comment ça s'appelle ? D'un colosse. Si un colosse qui se pointe, au moins je pourrais le fumer comme ça. Ça fait un peu coucou, je suis ici quand même, hein. Utiliser le générateur, ça fait vraiment coucou. Venez me croquer. Le fessier de 20 kilos. Moi j'appelle ça la team moelleux, et les bords. Tu vois, moi j'ai un peu le poignet d'amour et tout, donc j'appelle ça... On n'est pas gros, enfin, en tout cas moi, c'est pas gros. Mais par contre, un peu moelleux quoi, un peu moelleux plus plus. Moelleux, moelleux. Tu sais, je me disais... J'aurais voulu être astronaute. Sérieusement? Ouais. Est-ce que tu t'imagines tout seul là-haut? Ça aurait été cool. C'est tout. Allez, va-t'en. Je me pose la question là d'ailleurs. Les astronautes, ils sont devenus quoi? Est-ce que bon, tous. Pendant que ça commençait à péter partout, s'il y avait genre une dizaine de personnes sur la station spatiale. Ils ont un peu en mode. Whoops! Wow. Dommage! Ça fait vaisseau spatial. Ouais. Je reste avec Durillon. Je déteste ce nom. Eh, ils sont morts en orbite, c'est ça? Pas ouf, hein. Pas ouf, ouf. Puis y a quand même des chances qu'il y ait peut-être sombré aussi au cannibalisme et tout, hein. Quand t'as faim, au bout d'un moment, t'as faim, quoi. Soit ils sont morts de soif avant, c'est plus l'eau, du flotte, ou s'ils ont plus de bouffe avant, ou d'oxygène, ouais. D'un Fear Walking Dead, t'as un passage sur ça. Ah ouais? Il le gère comment? Ça spoil pas trop. S'il y a des femmes et des hommes, ils ont peut-être pu littéralement s'envoyer en l'air. Oh bah je pense que ouais. Après, est-ce que... Moi je me suis toujours demandé, tu vois, quand t'es face à la fin du monde, est-ce que t'es en mode trop désespéré, tu fais rien, ou est-ce que justement, quitte à faire, bon bah on baise, allez hop. Jean-Jacques, Micheline, on baise. C'est parti. Tu réfléchis plus, tu vois, t'es en mode, bon... On va tous crever de toute façon, un peu à la Dogma. Il y a ça dans Dogma justement, un peu. Bon bah on va tous crever, autant baiser quoi, c'est toujours sympa. Film avec Matt Damon et Ben Affleck, hein. Dogma. I'm fucking Matt Damon. C'est rigolo. Je pense que le penchant tueur en série ça m'irait plus vers la fin. C'est intéressant. Rappelle-moi que s'il y a le Covid 20 Pro qui sort, de pas être trop près là. Attends, je suis revenu là. On va aller en face. Il est cool Dogma, j'ai vu 2-3 fois aussi. Attends, on vient de là. Ah mais en fait d'accord, Ellie elle me dit où il faut aller. Je suis juste un peu débile. Et heureusement que je m'aide. Et comme j'ai déjà activé le générateur, c'est tout bon. Et ouais. Toi, tu voulais faire quoi? Quand j'étais gosse, je rêvais de devenir... chanteur. Tu déconnes. Je suis sérieux. Chante un truc. Ah non. Allez, je rirai pas. Même pas en rêve. Joël, s'il te plaît. T'es un peu chelou, The Raven, je te le dis. Il y a un film d'ailleurs là-dessus, ça s'appelle Hostel. C'est un peu chelou. Putain, ça claque, hein. Des singes. Ouais, on va. Y en a un paquet. On va arrêter là le débat, The Raven. Tu sais, faut savoir s'arrêter. Heroica. Là, on va dire stop, d'accord? On va dire stop.
sais, c'est le genre de pensée qu'il vaut mieux garder pour soi. Je te jugerai pas de les avoir. Par contre, c'est peut-être pas à partager. C'est comme votre kiki, les messieurs. C'est bien d'en être fier. C'est mieux de le garder pour vous. Les madames, elles ont pas envie d'avoir des piques non demandées. Ouais, peut-être. Hé, regarde, les lucioles. Regarde. Okay, point d'exclamation blague, ok, Oravan. Salut Tox. J'ai avoir du mal à t'appeler par ton nom, vraiment, je te le dis. Tu dois en faire point d'exclamation blague, The Raven. Alors pour le coup là, bien de la merde, les secours avec le second degré. Ouais. Tu connais bien ça, Trail. Tu connais bien. C'est pas une blague du tout par contre, Raven, pour la blague. On s'y fait, t'inquiète pas. On perdait le cré avec l'âge. Allez, oust. Y'a que dalle. Je suis arrivé d'ici, d'accord. Il avait dit que c'était un labo à l'est. C'est physiquement impossible de pas comprendre le second degré. Ah si, c'est une question de connexion neuronale. Selon comment ton cerveau est foutu, tu vas pas comprendre les choses de la même manière. Tu as différents détecteurs sur le faciès qui te permettent justement de comprendre quand une personne fait une blague ou fait de l'humour en fait. Ça t'aide énormément, dans le sens où il y a des mimiques vis-à-vis du regard, le côté un peu malicieux qu'il peut y avoir. Mais on a besoin généralement du visage en fait des gens pour ça. Tout bêtement. À l'écrit, tu as un contexte qui peut aider à ça. Mais c'est tout à fait possible de ne pas le comprendre, justement. Sois prudent. Toi aussi. Plein de gens différents. Plein de raisons différentes. Carte du campus, alors attendez. C'est ici. Ouais. Ah, zoomer. Getting slam here must be barricade. On voulait aller à l'est, logiquement. Infected, ok. En gros, il y a du monde qui arrive, quoi. Alors, on va faire ça autrement. Que je me spoil, que je me sois spoil ou que j'ai voulu savoir un petit peu ce qui se passait dans le 2, peu importe. On n'est pas sur le 2, je vois pas l'intérêt d'en parler. Attends, deux secondes, je vérifie un truc. Ah ouais, mais t'es pas un follower, toi, t'es un nouveau. Oui, c'est pour ça, d'accord, je comprends mieux. Les choses s'expliquent. Je te sens pas trop. Je suis pas sûr que j'ai envie de te laisser finir ta phrase, The Raven. Je suis pas sûr du tout. Non, tu viens de demander. Alors non, justement. Là, tu viens de demander si j'ai joué au 2. Initialement, tu m'as demandé est-ce que tu t'es spoil le 2. Là, à l'instant, tu viens de dire est-ce que t'as joué au 2. C'est pas la même phrase, en fait. Je sais que c'est c'est pas les mêmes mots, tu vois, dans le dictionnaire. Spoil et jouer sont deux choses très similaires. Très distinctes. Lapsus. Peut-être révélateur.